Welcome to my vlog. Je vais faire les courses. Donc je vous emmène dans mon vlog. Je vais faire les courses en Allemagne. Je vais chez les Allemands. Là-bas c'est des bons prix. Je vais faire des courses dans des supermarchés de l'Allemagne. On y va, je vous emmène. Je vous emmène. Let's go, let's go, let's go. Sorry, I was in the bag. I make a mistake. Four? Yes. Thank you so much. God bless you. Bye. Voilà, ça c'est Aldi Sud de l'Allemagne. Nous sommes là. Et tala ombia boluka kayangoyo. Je prie le bleu ciel, je prie ça, c'est avocat, c'est à l'avocat.
Et ça c'est au jojoba. Et j'ai pas pris beaucoup parce que j'ai déjà pris les autres là. Donc voilà. Le ombia bleu ciel, ça fait éclaircir un peu. Mais le ombia, le bouchon bleu foncé, ça fait pas éclaircir. C'est normal, mais c'est fini. Les gens, ils prennent trop le bleu foncé là. Voilà, j'ai pris deux cartons. Un pour moi, un pour une autre personne. Voilà. Faut toujours aider, hein, parce que l'Allemagne, c'est un peu loin. Mais c'est tout près de chez moi. C'est à 10 minutes de chez moi, donc je profite pour acheter aussi pour d'autres personnes. Donc voilà. Voilà, j'ai fait mes courses. Ça, c'est l'allemand. Comment ils écrivent? Prickeln. Süß, salsis, snack. La langue ici, c'est difficile, hein? Ah. Il y a la tâche. How much in total? How much I pay? 55. Thank you. Ça refuse. Ah, ça c'est une Néerlande. Ah, lemon drink. Ça c'est pour Néerlande. J'ai confondu. Ça c'est pour Deutschland. Ça c'est pour... commence avec ça, ça ce sont les touchés des enfants, les petits goûters. Les enfants ils aiment bien manger ça pour les petits goûters. On va prendre ça pour l'école. Ça pour l'école, ça va bien les aider. Les enfants ils aiment bien, ça coûte que 2,49€. Je prends ça, je prends aussi ça. Ça c'était 2,49€ et ça c'était 1,89€. C'est très bien pour les enfants. Qu'est-ce que je veux prendre encore ici pour les corps? Je vais prendre ça.
Hein, je cherche à la fraise, il n'y a pas. Ça, ils n'aiment pas. Voilà, j'ai trouvé. Non, ça, c'est pas la fraise. Mais ça, c'est pas la fraise, ça. C'est quelle langue, ça? Imbe. Ça, c'est la fraise des enfants? C'est la fraise? Ça, c'est pas la fraise. Je cherche la fraise, il n'y a pas. Hein? Oui, hard by. C'est comme s'il n'y a pas. Vous aimez aussi? Non, ça, vous n'aimez pas. Je cherche la confiture à la fraise, il n'y a pas. Mais les warning, pas ça. Ah, non, j'ai trouvé là aussi. C'est ici, tu vois la fraise? Voilà. C'est ce que j'ai cherché. À la fraise, c'est ce que les enfants, ils aiment bien. Running, tu as pris où? Faut pas prendre bio là, ce sont des faux bio, j'aime pas. Tu as pris ici, ça, ça coûte combien ça? Un fruit chipper de honing, ça coûte 3,19€. Montre. Ah, tu as pris ça. Ok, tu peux prendre. Tu peux prendre, attends. Non, 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 tu prends. Et puis, ça c'est 1,39€. Et on a pris le miel. Les bio ici, je ne sais même pas si c'est vrai quand ils écrivent bio comme ça. Hein. J'aime pas trop. Je prends le normal. Voilà. Ça vraiment, il n'y a plus à la maison. Les enfants, ils aiment ça avec des frites. Avec des trucs, avec des trucs grillés, ils aiment bien manger ça, le ketchup. À la maison, il n'y a plus rien. Je vais prendre en réserve. Je prends toujours en réserve, je prends 3, 4. Je regarde aussi la date de péremption. C'est 2024. En août, donc je peux prendre 4. Venez les enfants, je vais mettre dans le car. Je vais mettre dans le car, vous partez avec ça. Je vais prendre aussi la mayonnaise. Le ketchup, c'est 3,39€. La mayo, c'est 3,79€. Et ça, j'aime bien faire avec le shawarma. L'autre fois, j'ai fait le shawarma, je vous ai montré, c'était avec ça. Mais j'aime bien faire le shawarma avec ça. C'est 1,85€. Mais je n'en avais plus, c'était fini. Donc normalement ça c'est très bon avec le shawarma. Et ça au cas où tu n'as plus ça, tu peux utiliser ça. Donc je vais prendre le 2. Je prends aussi la moutarde pour les cuisses de poulet. Les ailes de poulet, c'est aussi bon. Quand vous grillez, vous pouvez mettre de la moutarde. Si c'est moins cher, 49 centimes. Voilà, ça coûte 49 centimes. Ça aussi pour les enfants, pour l'école, pour les goûters. C'est aussi très bien. Je vais prendre 2. Ça coûte 2,99€. Je vais prendre 2. Laura, viens, je vais prendre 2. Je vais ajouter ça. Laura, c'est où le chariot? Tiens. J'ai pris encore 1. Cette viande aussi, j'aime bien. Je fais ça avec les pommes de terre. Ça a un bon prix. C'est 5,79€. Le paquet, voilà, c'est 500 grammes. Comme ça, un plat. Je vais prendre 2 pour 2 plats. Ça va faire 10€. C'est bien, c'est vraiment de la viande. Rinder. Rinder, c'est le bœuf. Coupé comme ça, c'est bien, c'est comme du steak. C'est bien quand on fait les kamundele, on fait les brochettes, c'est aussi bon. Je vais prendre un paquet. C'est bon. Même dans le riz, hein, tu peux faire ça avec du riz. C'est vraiment bon. C'est bon cette viande. Je vais prendre aussi, comme c'est 5€, je vais prendre 2 paquets pour 2 plats. Cette viande, j'avais pris 2, mais je remets 1 parce que la date, c'est seulement le 21. Non. Aujourd'hui, c'est déjà le 16. Non, je vais pas tout préparer. Hein. Je vais prendre ça, 1. Oui, ça, 2. Ça, c'est le 25. Ça va. Faire le riz. Donc voilà, je prends que ça. Oh, ça c'est du nouveau, hein, c'est barbecue sauce. Ça coûte combien? 4,69€. Pourquoi? Gris sauce. Non, 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 ça c'est 1,29€. Gris sauce. Non, ça c'est 1,29€. Je prends ça. Les 4€, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Et pardon, c'est trop cher. Je prends celui de 1,29€. Je prends celui-ci. On va aller goûter.
prendre le sucre vanillé pour les beignets. Ça coûte 45 centimes. Et Laura, tu peux regarder pour moi la date de péremption, s'il te plaît. C'est jusque quand? Je veux voir comment prendre, quelle quantité. Donc je prends ça. C'est quoi là? C'est quoi la date? Et je vais prendre aussi un peu de levure, mais levure, je crois que j'en ai assez. Hein? Non, je prends pas les levures. J'en ai assez à la maison. Je prends juste le sucre vanillé pour les beignets. Je me demande toujours pourquoi ces saucisses, c'est toujours 7 euros, c'est cher comme ça. J'ai jamais acheté ça, je vais pas acheter. Waouh! Il y aura un jour, je vais acheter pour me faire plaisir aux enfants, mais c'est trop cher. Délicatesse, 7,49 €. Lars, vous voulez goûter ça? Ou bien tu as déjà goûté ça? Tu as déjà goûté? Mais pourquoi c'est 7 €? Ah! Ça fait mal au cœur, hein? Toi, on achète quelque chose qu'on peut dire et j'achète ça? Non, hein? Mais pourquoi ça coûte 7 €? C'est pas la même chose avec ce qu'on a acheté en boîte, là? C'est presque la même chose, non? Et pourquoi ils ont mis ça 7 € parce que c'est dans le sachet ou comment? En tout cas, je n'achète pas. Je n'achète pas, c'est trop cher. Donc ça, je vais prendre des salamis pour les enfants, pour l'école. Je vais prendre les salamis pour l'école. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre encore? Le fromage. Tous les fromages sont finis. Hein. Ici, c'est moins cher le fromage. Bien que le Gouda vert, c'est 2 €. On enlève chez nous en Hollande, c'est presque 5 €. Là-bas, c'est fini. Ah, waouh, ils ont tout fini. Waouh! Ou bien, waouh, c'était en solde. Regarde, ici c'est les yogourts, c'était vraiment en solde. Regarde, tout c'est fini. On est venu en retard, c'est parce que c'est 18 h, hein, Laura. C'est 18 h déjà. Donc, j'ai pris fromage pour les enfants et salami. Je prends les maïs et on enlève son truc. Je vais prendre aussi les petits pois pour faire les riz cantonais. Je vais prendre aussi les sardines. Il faut toujours en avoir à la maison pour le pondou. Le fait de manioc, je vais prendre les sardines. Et je vais prendre aussi les tomates. J'en ai plus. Mes tomates pelées sont finies. Ça coûte que 85 centimes, tomates pelées. Et la sardine, elle coûte 1,39 €. Je vais prendre la sardine à la tomate pour préparer mon pondou. Voilà. Et voilà. Que les enfants, tellement que les enfants, ils aiment bien les cakes, les gâteaux. Je vais prendre un paquet de pour leur faire des cakes. Je prends, ça coûte seulement 3,29 €. Je vais comparer avec chez nous. Je sais pas, ils avaient mis en solde, mais je prends quand même. Moi, j'ai changé l'huile pour préparer. Je prépare qu'avec l'huile d'olive. C'est vraiment bon pour la santé, surtout quand vous prenez de l'âge. C'est bien d'utiliser l'huile d'olive, c'est vraiment, ça vaut le prix, ça coûte 6,99 €. Et pour griller, j'achète les Zone Bloom. Zone Bloom, je crois qu'en français, c'est l'huile de tournesol. Ça coûte 1,79 €. L'huile de tournesol, c'est pour griller. Et l'huile d'olive, 6,99 €, c'est pour préparer. Donc, je prends 2 huiles d'olive. Le lait écrémé, c'est 99 centimes. C'est aussi très bon prix ici. Venez avec mes chargés, les enfants. Je vais prendre du lait. Je vais prendre du lait pour les enfants. C'est bien avec le cornflex. C'est très bon. Ici, le savon, c'est bien. C'est 95 centimes et 1,15 €. C'est vraiment bon prix. Moi, je mets juste un peu. Puis, je mélange toujours avec de l'eau dans une autre bouteille vide. Et vraiment, j'utilise ça pendant longtemps. C'est vraiment très bon prix. Ici, 2,99 €. Le pizza marguerite, c'est 2,99 €. Je vais le prendre quand même un paquet pour les enfants. C'est à bon prix, hein. Je vais prendre un. Quoi? Et pour terminer, on va prendre le jus. C'est bon prix ici aussi, hein. C'est 1,19 €. On va prendre le jus. Non, ça c'est 1,19 € pour ça. Oui. 1,19 € pour ça. J'ai pris les deux et je crois que c'est bon. On va vite, vite courir pour aller acheter les poulets. Et puis les poulets bouillants, ce sont ma cassie. Donc on va aller acheter. On fait vite les enfants, on fait vite, on va partir. Là, on va bien m'aider à mettre ça. Je ne savais pas tout seul à faire ça. Viens m'aider s'il te plaît.
Mais vous avez laissé les sachets en bas là-bas, on va faire comment? Laura, vous... On va voir à côté, il y a tout ça là. Oh là là. Ah, on t'a pas vu coquille. Et coquille, là, rabillon, là, on t'a pas de... Et tout passe. Le dernier magasin pour aujourd'hui, c'est Netto. Ici, le poulet bouilli, c'est moins cher, vous n'avez pas idée. C'est vraiment moins cher. Donc voilà. Là, le dernier magasin. Le dernier. Voilà. Le dernier, c'est Netto pour acheter le poulet bouilli. Franchement, j'ai même mal à la tête. On fait les courses, vous faites une fois pour toutes et vous vous reposez. J'ai fait les courses pour 2-3 mois. Et là, je me repose. 2-3 mois, donc voilà, je suis calme. Ici, même les oignons, c'est moins cher. Donc, les courses pour 2-3 mois, je suis calme. Je vais acheter le Ndembi. Ndembi, ici, c'est 33 centimes. Je vais prendre une bosse pour préparer mon golo. 1,5 kg à 1,65 €. Voilà, je vais prendre 1,5 kg. Je n'ai que de gros oignons à la maison, je vais prendre ça, c'est bien. Et les poivres ici aussi, c'est bon, hein? Ça coûte combien? Paprika, c'est 1,99 €. Je vais essayer. Je crois que c'est bon prix, hein. Je vais prendre ça, ça c'est bien pour faire les makayabou, les kotis, les mipanzi, le poulet. Moi je prépare presque tout avec le paprika, c'est très bon avec le... En français nous on appelle ça les choux, le poivre. En français c'est le poivre. Ah, ce qui est mélangé aussi, c'est le même prix, 1,99 €. Je vais prendre le mélanger parce que je vais préparer avec le pot doux, le verre. Donc voilà, je prends le mélanger. Ah, j'ai cherché le poulet ici, cette femme m'a aidé. Hein. C'était caché, merci. Hein. Thank you, Val. On a mis ça en bas là-bas. Thank you. 11. Can you bring with this one, please? Laos. Yes. I'm very happy. Oh, thank you so much. Everything fine. Oh, I found it. J'ai trouvé. Eh, ata bino wa su so so ba so so ki ba bon mi wanna see. Yeah. So so oh, now land is at 3 fois plus cher. Woo! 3 fois plus cher. Ah, is a bon prix. 3,07 €. On va tuer un verre au carton. Oh, bah, check out the pool. On avait mis ça au dessus. Yeah. Normally, I know. Yeah. But that's what I say. I buy always here. But when I see if I know the plastic is red. Yeah. And this one is soft. Yeah. This one, I don't cook it. I just put it in the oven. Yeah. And this one is okay. Thank you so much. Huh? Mon de bagomba ki anga bi e wume la kate soso o. So ba ba africain ba coach ba aussi ça mot tout. Ya wanga na sina déjà ya 3 mois libella. Mais il y a 3 mois j'ai pris pour 3 mois donc c'est bon là. On prend les petits yogourts, on avait pas pris les yogourts. Avec ça, on prend des petits trucs là-bas, on avait pas, parce qu'on courait pour qu'on ferme pas le magasin. Donc on prend les dernières choses, on prend ça pour les goûter, pour l'école. Ça coûte ici 2,29 €. Pas pudding, c'est bien pour les goûter, on prend ça. Prends un goûter de yogourt ici pour lundi. Tu prends quoi? Ardabaï, bien tu prends cerise. Fais vite, on va partir, ma chérie, je suis fatiguée. Viens choisir.
pour lundi pour l'école. Il n'a pas le choix, l'équipe Bédé. Tu prends un bail, oui, pour lundi, ok? Hé, hey, pourquoi ce déodorant c'est cher comme ça? 3,95€. Ah, Action chez nous en Londres, c'est pas comme ça, hein? Et qui sont moins chers maintenant, les déodorants chers comme ça, Axe. Hé, hey, non, moi je ne vais pas acheter ça. C'est trop cher. Oh, mais ici, on a écrit 99 centimes. 48 heures. Mais ici, c'est 99 centimes et ici, c'est 3 euros. C'est quoi le problème? Non, moi, je pense que... C'est quoi le problème? Deux sprays X-Dray. Donc, c'est pas ça qui est 99 centimes. C'est pour autre chose. Ça, c'est pour autre chose. Je n'achète pas, pardon. C'est trop cher. 3,95€. Non, je vais acheter Action. C'est trop cher. Là, on peut venir derrière, là. C'est pour elle. On était rentré, il faisait encore jour. On était en Allemagne, il faisait encore 18h30 et maintenant nous sommes c'était en train de même pas 18h quand on oui, était parti. C'était 18h. Non. Ah, oh, non, c'était 18h moins, hein. Moins 15, hein. Non. C'était quelle heure? Tu vas te oui, parce que j'ai laissé Laurent à ah, c'était moins 10. C'était 18h, je vous rappelle. Donc, on est arrivé ici à 18h10 et maintenant, c'est là. C'est la nuit, à presque 20h. Donc, j'en ai pour 3 mois repos. Ah, que le déjeuner le matin, parce que voilà, comme je dis toujours, maman, organisez-vous. Donc, je salue ma course. Ça va faire à peu près 2 heures du temps. Je suis en train de faire les courses. Et là, c'est pour une fois. C'est pas tous les jours comme ça. Donc, quand j'ai fait comme ça, 3 mois, je suis calme. Et quand il manque quelque chose pour le matin, le goûter, là, on peut ajouter. Je peux envoyer les enfants. Ils peuvent m'aider. Je peux envoyer mon grand garçon. Il peut aller acheter. Donc, c'est pas tous les jours que moi, je viens à faire des grandes courses comme ça. C'est pour comme ça, pour 2-3 mois. Donc, tu es calme. Et après, on sera à Matongé pour acheter les Kwanga, les Pondou, les Thompson. Ça, c'est à Matongé. Et puis après, là, j'ai planifié ça dans... pour que je me repose un peu. En fait, il ne faut pas faire suivre les grandes courses Hartelcar. Je ne sais pas comment on dit ça encore en français. Faire suivre les grandes... que les grandes courses se suivent. Il faut faire des... comme on dit, il faut faire des intervalles, voilà. Faire des intervalles entre les grandes courses. Si je fais aujourd'hui pour ça, donc pour les déjeuners, pour un peu pour les soupers, mais après je peux faire encore 1 semaine, 2 semaines, je vais aller à Matongé pour acheter les Kwanga, acheter la Chikwang, acheter les Pondou, acheter le Pondou, acheter aussi Makayabu, en fait, Spiring, tout ça là. Là, c'est pour ma tournée. Donc, ça sera dans 2 semaines. Ça ne sera pas maintenant. Ça sera vraiment dans 2 semaines. Et maintenant, c'est que pour ça. C'est que pour ça. Pour l'Allemagne, voilà, on en est pour 2-3 mois. C'est bon. Là, vraiment, je me repose. Je fais 2 heures de course. C'est assez. Donc là, je vais remettre mon chariot. Je remets mon chariot. J'en ai assez pour 2-3 mois. Toujours dit, maman, organisez-vous. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de faire les choses bien. Planifiez les choses et reposez-vous aussi. Donc là, j'ai fini pour l'Allemagne. 2-3 mois. Je reviens ici dans 2-3 mois. Voilà. À Bruxelles, à Matongé, je vais aller dans 2 semaines. Le temps de me reposer, de reprendre des forces. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est bon. C'est fini. Je me fais aussi aider par les enfants. Hein. Là, c'est parce que je fais la vidéo, mais ce sont les enfants qui mettent dans les chariots. C'est eux qui mettent dans le coffre. Je me fais aider. Parce que c'est vraiment... Tu sens ton corps, il est chargé. Hein. Donc, il ne faut pas faire ça toute seule. Faites-vous aider par les enfants. Faites-vous aider par votre partenaire. C'est toujours bien pour la santé. Donc, voilà.
Quand je vais aller à Bruxelles aussi, je vais vous faire un vlog. Donc, dans une ou deux semaines, je vais aller à Bruxelles. J'ai fini pour l'Allemagne. Donc, merci mon joli garçon qui me filme derrière. Lars Babotin, je t'aime beaucoup, bébé. Je t'aime beaucoup. Merci. Donc, viens, on continue dans la voiture. Allez, viens. Oui. I love you. Donc, on est rentré ici, c'était 18h, il faisait encore jour. Et on ressort de l'Allemagne, voilà, Helmut, la jaune, la Zouane. Tu as vu ça? On ressort de Helmut, on est parti à 20h09. On a fini. Et on va terminer avec les McDo. Là, je suis fatigué, je ne serai même pas préparé. On va finir avec les McDo. Et voilà, les enfants, vous allez manger les McDo aujourd'hui. On va faire les emporter. Parce que là, je suis fatigué. Je ne serai même pas préparé. Je suis cassé. Parce qu'il n'y a pas que ça que je fais aujourd'hui. Hein. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. À la maison, avant de sortir, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je suis fatigué. Et là, je vais aller au McDo. Je vais au McDo pour prendre des hamburgers pour les enfants. Donc, voilà. Là, on se filme au McDo. Voilà. On va prendre... Hey, Jesus. Mon ongle l'a lâché à cause de transporter des choses lourdes. Il a lâché. Voilà. On va faire du McDo. On va acheter aujourd'hui. Hello, can I get a... Good morning. Come by McDonald's. I can't speak English, teacher. Yes. Abi bite. Abi bite. C'est quoi? Oui, okay. C'est quoi? Bite en ingoloba. Attends. Attends. Bite, ça veut dire s'il te plaît. Oui. Warte bite. Bite, c'est comme en français. S'il vous plaît. En anglais, c'est please. Je sais quoi. Mais elle habite, elle habite dans un asile. Moi, je n'ai pas de l'asile. Merci pour votre patience. Votre commande, s'il vous plaît. Oui, je veux 4 fois Big Mac menu. Medium. Big Mac menu with fries, mayonnaise and coke. Barbecue, do you have barbecue sauce? Yeah, we have barbecue sauce. Yes, I want and it. Coke? Sorry? And Coke, Coca-Cola. No, we want Fanta. Fanta, okay. Yes. Okay, that's it. That is for one menu, yes? Yeah, we have one menu with Big Mac. Okay. I want 3 menu Big Mac, the same, for all okay, the three. Okay, the same. Yeah, okay. For all the three. Four. No, you are three. Three menu, yes. Okay, three menu. Yes, because okay. my son said four. Okay. We are there are three. With, yes? With Fanta. Do you want our Fantas? Do you want Fantas? Yes, we have what three Fantas, three menu, and three fries. To you also? And three barbecue sauce. Wait a minute, please. I asked my children if they want also the same sauce. Do you want barbecue sauce? Fritz sauce. You want barbecue sauce or Fritz sauce? 2 barbecue sauce and 1 Fritz sauce. And we have no Fritz sauce. We have mayonnaise. Mayonnaise. Do you want it? No, barbecue, all barbecues. Okay, then all barbecue. Yes, that's thank it? You. That's it. Yeah. Okay, you pay with cash or card? With card. Okay, then drive to the last window, please. Okay, thank you. Thank you so much. Oh. It's closed. Here. Can I have my bag, please? Moment, please. Okay. Can I have my wallet? Sorry. It's
It's okay. Yes. Yes. It's okay. You can drive on the right side, yes? Yes. Okay. The right or the left? Right. The right? Right. Yes. You change? Yes. And then I can get my... Off the right side we get you okay. The menu. Okay, thank you. Have a nice evening. I just go there, I said, sorry. Yeah, thank you so much. Lily, Mama, Laura. Hey, c'est quoi, mon Dieu, ça les embouteillages, hein? Pourquoi les autoroutes des Allemands, c'est toujours comme ça dans le noir? Il n'y a pas de lumière sur l'autoroute. Vous allez voir la différence quand on va rentrer en Allemagne, il y aura de la lumière. Et je comprends jamais pourquoi chez eux, c'est comme ça. Pendant la nuit, il n'y a pas de lumière ici dans les autoroutes des Allemands. C'est dans toutes leurs autoroutes, c'est comme ça. Mais les autoroutes hollandais, il y a toujours de la lumière. Vous allez voir la différence. Là, on est en Allemagne. Hein. C'est pas très loin de chez moi. Donc, on est 20h23, on va arriver bientôt. Hein. Donc, là, tu peux prendre l'heure. Et quelle heure prend l'heure là-bas? L'heure. Voilà, il est 20h23. Voilà, on va voir à cœur. Parce qu'on est sorti il y a 2 minutes. Une à 2 minutes, hein. De la nuit, et on va arriver. Je vais voir à quelle heure on va arriver à la maison. Waouh! C'est toujours noir. Il n'y a pas de lumière chez eux. Je ne sais pas. C'est un pays vraiment riche. Ben, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas mettre de la lumière sur les autoroutes. Ça, j'ai jamais compris. Mais dans les villes, il y a bien la lumière. Dans la ville. Il y a la lumière. Et voilà, on est déjà Netherlands. Prends ça. Netherlands. Tu vois, vous voyez, déjà à 2-3 minutes, on est arrivé en Hollande. Et voilà, on va arriver chez nous bientôt. Dans quelques kilomètres, ils ont dit la Hollande, c'est dans 2 kilomètres. Hein, c'est ce qui est écrit, non? Dans 2 kilomètres. 2, 3, 1 kilomètre? Ok. Ça sera la Hollande. Donc voilà. Et puis ça va être à la lumière. On verra la différence. On verra la différence. Donc je dois descendre. On voit déjà de loin. Hein? Vous voyez déjà? Vous voyez déjà la Hollande? Voilà, on est entré. Prends ça. Maintenant c'est la Hollande. Voilà la différence. Voilà, regardez les lumières sur l'autoroute, regardez. Voilà, il y a la lumière. Regardez la différence. Prends les poteaux des lumières. Prends mon chéri, prends les poteaux des lumières. Voilà la Hollande, il y a la lumière. Dans la Hollande, il y a toujours la lumière. Dans mon pays, il y a toujours la lumière sur l'autoroute. Regardez combien ça coûte en Allemagne. 2,06. Waouh! Je suis déjà dans ma ville. Ici, le carburant, c'est 2,06. Là-bas, on a acheté à 1,88. Voilà, je suis déjà dans ma ville. On est combien? 20h31. Donc, on a fait déjà 8 minutes. Hein? 8, parce qu'on a fait déjà 1 minute pour arriver à Mado. Donc, ça va faire déjà 9 minutes. Donc, comme je vous avais dit, c'est 10 minutes. Hein. Donc, voilà une autre station de carburant. Prends le prix qui est là, chérie. C'est 2. Ça, c'est même 2,119. Waouh! Ça, c'est juste à côté de chez moi. À 3 minutes de la maison. Je ne peux pas acheter ici. 2,11. Là, 19. Mais regarde l'heure, on est arrivé, on est à 2 minutes de la maison. On est déjà, on avait commencé à 23, non? On avait compté 23, on avait regardé, c'était 20h23. Donc on avait déjà fait presque 1 minute déjà. On est 1 minute. Et voilà. Donc, de 20h23.
si on ajoutait une minute, ça va nous faire 14 minutes. Donc c'est 20h37. Donc c'était 36 tout à l'heure. Donc on a fait 14 minutes de la maison jusqu'ici. Voilà, on est arrivé. Gloire au Seigneur. Merci Jésus de nous avoir protégés. Merci pour ton amour, ta bonté, tes bienfaits. Nous sommes bien arrivés. Que ton nom soit glorifié et que ton sang nous protège encore, nous couvre. Au nom de Jésus, amen.